Et moi, quand j'étais très très jeune, très 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 jeune, Je me souviens quand mon père a peint cet anneau. Oui. Oui. Non, mais heureusement que je me souviens par rapport à ça, parce que je me souviens que c'était fait fantastique. Et ils ont c'est vraiment un effet merveilleux. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de Franck Riester, ministre de la Culture, et de Philippe Elaval, président du Centre des Monuments Nationaux, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'abbaye du Toronnais. Nous sommes d'autant plus heureux que nous accueillons monsieur et madame Tolkien. C'est un peu la rencontre de trois patrimoines d'exception, un patrimoine monumental qu'est l'abbaye du Toronnais, un patrimoine des savoir-faire et des beaux-arts avec la cité de la tapisserie, et puis bien sûr la rencontre d'un patrimoine immense de la littérature contemporaine. Je pense que ça sera l'une des plus belles expositions qu'on aura fait à l'abbaye du Toronnais depuis très longtemps, et j'en suis très heureux. Nous sommes ravis d'être ici. Nous devons d'abord excuser notre présidente Valérie Simonet, qui est présidente de la cité de tapisserie, mais aussi du conseil départemental de la Creuse, qui souhaitait vraiment venir et qui n'a pas pu le faire au dernier moment. Il y a toute une dimension d'une vraie rencontre avec la famille Tolkien qui a été pour nous et qui est toujours pour nous formidable. Et donc on a participé avec notre présidente et notre ancien président au vernissage de l'exposition à Oxford cette année. Et puis Bailly est venu quand même en 2018 deux fois au Luçon. Et je peux vous dire que Bailly maintenant est une star au Luçon. Elle a vraiment séduit, les Creusois par son élégance et par sa spontanéité. Donc, rencontre et moment un peu d'émotion avec vous, Christopher, pour cette découverte des tapisseries. On sait combien elle compte pour vous, en tout cas par rapport aux illustrations de votre père. Et donc, on est particulièrement heureux, et je dirais même ému de ce moment qui a été rendu possible par l'administrateur et toute l'équipe de l'abbaye du Toronnais, et je les en remercie à nouveau. Je dois expliquer que mon père a habituellement travaillé très très tard dans la nuit pour son travail de peindre, écrire. Et moi,
quand j'étais très très jeune, très 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 jeune, j'ai trouvé pendant les nuits inquiet au sujet de mon père dans la façon est-ce qu'il était toujours en vie. Et un nuit, quand la maison était toute silencieuse dans cette façon, j'ai descendu pour trouver mon père et voilà, il était là. Moi, j'étais tellement soulagé que pauvre petit idiot, j'ai commencé à pleurer. Et une larme, mais quatre substantielles, a tombé sur le tableau. Imaginez-vous. Mais mon père n'était pas du tout fâché. Ce qu'il a fait, il a pris ton petit pinceau et il a effacé chaque trace de la larme. Et il a aussi dû changer un peu les arrangements des feuilles de ce arbre parce que la larme a tombé sur le bel arbre qui est au premier plan. Et le titre du tableau était Rivendell. Et dans cette maison, Frodo a prononcé les mots qui sont fondamentaux au Seigneur des Anneaux. Et ce qu'il a dit, I will take the ring, though I do not know the way. Je vous remercie.